Mais les conseils, c'est lire le sujet, relire le sujet, et encore relire le sujet, d'une part, se conformer réellement à ce qui est attendu, pas forcément vouloir en faire trop. C'est nous, on apporte des rectifications, on apporte des modifications, mais le travail doit beaucoup venir en fait des élèves si les élèves sont vraiment pas dans leur concours. Voilà, moi ils m'ont étonné aussi parce qu'ils m'ont apporté, et ça doit être réellement un échange. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de gagnant derrière. Un bon dossier, c'est un dossier travaillé durement avec le prof, l'élève reporter, vraiment bien écrit et sans faute, c'est vraiment primordial. Oui, les photos, on a essayé de prendre un bon appareil photo pour faire une bonne qualité d'image. Après, l'argumentaire, c'était vraiment travailler avec notre prof de salle et voilà, qui a vraiment beaucoup travaillé avec Benoît pour faire l'argumentaire qu'il a sorti aujourd'hui. L'étape très importante, le dossier, nous l'avons relu plusieurs fois, nous l'avons répété. Et puis, il y a beaucoup de travail écrit. Il y a des recettes qu'on a réalisées, qu'on a pu refaire plein de fois. Et c'est ce travail qui va permettre d'arriver ici en finale et de gagner ce concours.